j'ai halluciné, je me suis dit. Là que ça marche. Feg, t'es le régleur de. Tu sais quoi, ne me parle pas de ta caméra, il faut pas ça au milieu. Non, mais je me filme moi. Ah, mais... avoir affaire à cette merde. Règle-moi le trépied. J'en ai rien à foutre de ta caméra. Règle-moi. Ah, c'est cool, c'est ça. C'est des pervers. Bien, voilà, ça y est. Maintenant, quand j'entends le mot caméra, j'ai envie de tout casser. Là. C'est bon, tranquille. Filme-toi chez toi, fous-nous la paix. Balance ça sur internet. Ne mets pas ça sur le net. Tu parles, il va se gêner. Mais laisse tomber. Moi, ça me. Moi, Facebook et tout, ça me va pas, quoi. Moi non plus. Moi, faut te répéter les choses 20 fois, tu sais. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas ça. Tout dépend qui, tu sais quoi faire. On te le demande. Et continue. Je filme moi, je le droit. Filme-toi, mais tu dis pas qu'on est là. Filme-moi. Non, mais ouais, oui, mais après, qu'est-ce que tu mets comme commentaire? On était chez Fifi, il y avait Michel, il y avait Fek. Mais on n'est pas des Mongols, je suis pas un Mongol. C'est bon. Merci. Ça part sur Internet. Et ouais, ça part sur le monde entier. Ça s'appelle victime d'ostracisme. J'en ai rien à foutre. Quand tu fais crise de niche, chef d'état d'âme, quand même, tu veux reprendre du comté. Et eux, c'est des histrions. C'est ce que c'est qu'un histrion. C'est pas mes faits. Non, je parlais. Ça colle pas. C'est pas grave. Ouais, c'est bon. Caméra. C'est moi la victime. Voilà. C'est moi. Alexandre le malheureux.